Bonjour mes chers amis, bienvenue sur CIE Games FR pour ce 100% sur God of War, deuxième épisode du 100%. Sur God of War 4, donc le 100%, je rappelle pour ceux qui auraient manqué la première vidéo, d'ailleurs allez la voir puisqu'il y a la vraie fin du jeu. Disons qu'il y a une petite surprise au début. Le 100%, c'est le trophée platine. J'appelle ça 100%, peut-être que j'appellerai ça les platines, je ne sais pas encore. Mais bref, dans le dernier épisode, on doit avoir affiché en haut à gauche, boum, trophée platine. C'est le but, ok les mecs. Donc, est-ce que ce sera un fail? Est-ce que ce sera une réussite? Je ne sais pas. En tous les cas, je me lance dans le 100%, donc ça peut être un 100% fail. Et on espère tous ensemble que ce sera un 100% réussite. Eh oui. Donc en parlant de réussite. On s'était dit qu'on allait aller botter le cul. On est où là? Tu crois que c'est une bonne idée de revenir ici? Elle est sûrement en train de chercher un moyen de te tuer. Pour ramener Baldur à la vie. Comme elle l'a fait pour toi, Mimir. Oh, mais je ne suis pas vivant, petit. Elle m'a ramené, certes, mais ne t'y trompe pas. Je suis bel et bien mort. Alors, on voulait aller affronter la ne voudrais pas harpie, ça mais pour son d'abord, fils, crois-moi. on va juste voir Ça me rassure. en Pas haut, le parce qu'en fait que fait, il n'y a tu pas sois beaucoup. mort. Mais tu sais. Comment est-ce qu'on monte? Oh, c'est à gauche. Puisque du coup en haut c'est aussi la rivière, je crois. On va vérifier ça tout de suite. Oui, on est toujours dans la région de la rivière ici. Et donc je me dis que peut-être que l'artefact et ou le corbeau, je l'ai pas vu ici. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est bon, j'avais tiré dessus. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un gros corbeau par là, les mecs? Alors ça, je sais même plus Parole s'il y avait quelque éclairage. chose là-dessus. La tortue, elle a remis sa tête dans le sac. Donc on peut vraiment plus rentrer chez Freya, ça y est, c'est mort les gars. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit... Des corbeaux d'Odin chez Freya, je pense pas les gars. Ça on avait eu. Ah ouais, donc là on peut plus passer, c'est ça. On peut plus passer et à mon avis c'est là-bas. Bon, espérons que le corbeau et l'artefact ne soient pas là-bas les gars, parce que sinon on est baisé. On est foutu. Pour être plus poli. Non, ici j'avais tout fouillé. Hein. J'avais tout fouillé. J'ai pas vu de corbeau. J'avais fait l'énigme. Pas un corbeau sur ses branches. J'avais fait l'énigme en haut. Alors peut-être que j'avais raté un truc parce que j'étais focalisé sur l'énigme, mais ça m'étonnerait. Hein. Voilà, on avait fait ça. On avait ouvert ce coffre. Non, parce que j'avais quand même pas mal regardé pour faire l'énigme. Là, il n'y a pas de corbeau. What? Tu veux qu'on essaye de les échanger? Oh putain, c'était là, oh. Mais j'ai pas vu ça. Putain, j'avais même pas vu le corps par terre. Putain. C'est ouf comme on rate des choses faciles, les mecs. Oh, bah, j'ai bien fait de venir là, je suis content. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un gros corbeau dans le coin? Vu qu'on a raté ça, on a pu rater plein d'autres choses. J'ai pas l'impression. Je regarde parce qu'il y a encore une mouche sur ma fenêtre qui me gêne là. Décidément. J'ai bien mis l'heure, ouais, j'ai bien mis l'heure. Ok, très bien. Ça, on avait eu. Alors là, les mecs, pour trouver le corbeau, bon courage. Bon courage. Et peut-être là, il l'est peut-être pas, j'en sais rien. On va juste aller voir au fond. Ah, on a eu l'artefact, trop chouette. Pas dans une petite truc comme ça, petit enfoiré, ça m'étonnerait pas. Ils avaient fait un truc pareil, non? Non.
Là, j'entends une petite rivière couler. Ils ont pas mis un gros corbeau par hasard? Là-haut. Pas de corbeau? Non. Ok. Non, bah écoute, on va aller fighter la harpie. Ah, c'est chouette, hein, j'ai eu l'artefact, les gars. Trop bien. Comment j'avais pu rater ça? Il était sur mon chemin, sur le soldat mort par terre. Les gars, des fois vous ratez des choses, mais franchement, c'est incompréhensible. Vous avez dû m'insulter en voyant ça. Je me serais insulté aussi, vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai du mal avec la direction, je vous le dis. Ouais. Bon. Ça va être au tour de l'harpie, mais j'avais pas cette armure, j'avais pas tout ça, donc je me dis que si je joue pas trop mal, il y a moyen. On va voir ça tout de suite, les mecs. Non, il est encore ici. On va fighter l'harpie, alors ta gueule, Atreus. Commence pas à me faire chier. Ok? Sinon, je t'appelle par ton prénom maudit! Loki! Ça aurait pas foutu un corbeau dans la chambre cachée d'Oda, non, quand même. Ça aurait pas fait ça. Attendez, what? Je peux plus passer? Ah, putain, j'ai eu peur. Oh, le con. Ah, j'ai flippé. Wouhou! Ah, je vous avoue, j'ai flippé 2 secondes, hein. Je dis quand même, ils auraient pas fermé, ils auraient pas fait ça. Et s'ils nous disent d'aller libérer les harpies, les mecs, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'important par là. J'en suis persuadé. Hein. Pas les harpies, les Valkyries. Putain, j'ai un souci avec ça. Parce que s'ils nous demandent de libérer les Valkyries, c'est pas pour rien. J'ai le pif pour ça. Je suis sûr que au conseil des Valkyries va se passer un truc. Truc, il faudra qu'on trouve aussi les trésors, les cartes au trésor. On a trouvé quelques-unes par chance, les mecs, mais. Je me demande ce qu'on fait encore ici. Bon, tu commences à m'énerver, Atreus. Franchement, tais-toi. Si c'est pour dire de la merde, pareil, franchement, tais-toi, parce que ça m'agace. Prodigieusement, vraiment. J'ai peur qu'en utilisant ma pierre de résurrection, je l'ai plus. Bon, allez. Allez! Ah ouais, c'est celle qu'invoque des... Merde. C'est bon, c'est bon. Elle est forte quand même cette salope, hein. Putain. Ça dans la gueule. Merde. Putain, ils font chier. J'ai déjà plus de life. Je suis nul, les gars, c'est ouf. Je vais prendre la vie là. Ok, ça m'a énervé.
Putain, mais ils sont tordus du slip, là. Ouais, tiens, bouffe. Merde. Putain. Alors on a presque tué les mecs. Putain. Allez. La crêpe salope. Ouais. Ah, oh, je suis ces putains d'aile. Voilà les gars. C'est stylé. Wouhou. Yes. Merci de m'avoir délivré de ma forme charnelle. Je t'en prie. Je ne saurais vous remercier. Ah, c'était dur. Pourquoi vous étiez piégé? Je n'en suis pas sûr. Mon esprit est trouble. Le Roxtol à Falkir est la seule chose dont je me souvienne. Le quoi? Le Valhalla m'attend. Je dois partir. Salut. What? Il a pris le casque. Le Roxtol à Valkir. Qu'est-ce que c'est, Mimir? C'est une sorte de salle de conseil cachée dans Midgard. Oh. Les Valkyries avaient besoin d'un lieu où elles pourraient se concerter sans être épiées par Odin. Elles se pensaient à l'abri. Tu sais ce qu'on dit. Le père de tout voit tout. Où elle est? Tu te souviens de la salle avec les 8 trônes? Quoi? On a visité les 3 lieux différents. Elle se trouve à gauche des 2 statues de Rameur. Je n'en ai pas parlé sur le moment parce que je n'étais pas sûr de moi. Je pense qu'on découvrira ce qui est arrivé aux Valkyries. Cette salle avait une importance toute particulière pour elle. Nous y trouverons quelque chose, j'en suis convaincu. Cool. Les ennemis alentour. Oh, excellent. Trop bien, les gars. Ouais, ça débloque des trucs sympas, hein, vache. On a bien fait. Bon, le truc, c'est qu'on n'a pas besoin vraiment pour l'histoire principale, parce qu'au final, c'est pas bien compliqué. Mais pour le reste, c'est plutôt chouette. Je trouvais plus la sortie, pour être franc. C'est bon, on a tout notre life. On a bien récupéré ce qu'il y avait en bas. Faut être sûr, les mecs. Hein. Je suis désolé, hein, mais... Je préfère perdre 2 secondes ici. Ouais, c'est bon. Plutôt que de tout me retaper après à la fin. Hein. Ouais, bah bouge-toi le cul. Ok, donc bon, là, il nous aura manqué les corbeaux. Alors, armure, c'est quoi? Fais-moi voir un peu ça. C'est la protection d'Aegir. Ah, ça sert à ça, d'accord. Et ça... Oh putain, c'est beaucoup mieux. Invoque glissement de royaume, L1 rond. C'est stylé de ouf. On va prendre ça. Donc ici, dans la rivière, il nous manque un corbeau d'Odin, les gars. Bon bah écoutez, il nous manque un corbeau, il nous manque un corbeau. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va aller au contrefort. Les contreforts, il nous manque une Valkyrie et un coffre légendaire. Oh, ça devrait aller. Au contrefort, une Valkyrie, un coffre légendaire. Allez.
Ah, on sent mieux quand on a bousillé de la Valkyrie, les mecs. Sans utiliser la pierre de résurrection. Et là, je suis vraiment content. Vraiment très content. Sont difficiles hein, ces Valkyries quand même. Mais bon, on a vraiment bien fait de prendre cette armure naine. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Et moi je vous dis, on a vraiment bien fait. Oh putain, je me retrouve direct pour la Valkyrie. D'accord, d'accord. Au final, Midgar, ouais, il nous reste 3 accès mystiques. On a trouvé tous les ateliers, 4 inscriptions runiques. Putain, les corbeaux, il nous en reste un pacos. Et coffre légendaire aussi. Putain, on est passé à côté de plein de coffres légendaires. Bah écoutez, tant qu'on est là, on va essayer de se faire la Valkyrie. On verra bien. Hein. Et si on n'y arrive pas, ben on s'en ira. Qu'est-ce que vous dites ? Sois prêt à agir. Maintenant c'est bon. Merde. Putain, elle tape fort, elle. Quelle piatche. Bon, je joue pas très bien. Hein. Déjà, on lui fait un peu de dégâts. Ça, c'est plutôt chouette. Bah oui, mais je la vois pas. Ça lui a rien fait, petit peu. Bon, à mon avis, on va échouer celle-là. Les gars. On joue pas bien. Et elle tape très fort. C'est sa merde là aussi. Putain, on voit rien. Oh. Salope. Donc on peut pas bouger et faire ça. Non, je vais pas utiliser ma pierre là. Elle est faisable. Elle est faisable, mais bon. On la fera plus tard. Bah, elle est clairement faisable. Hein. C'est juste que j'ai mal joué. Il faudrait que je monte ma rage avant de venir la voir, en fait, tout simplement. Ouais. C'est ça qu'il faut que je fasse, les mecs. Allez, on va sortir de là. Avoir une bonne jauge de rage bien pleine. Une bonne pierre de résurrection, et puis là, ça devrait le faire, hein, les gars. Franchement. Mais du coup, est-ce qu'on va au sommet, on descendrait? Je sais pas. Ouais, allez, on va faire ça. On va aller au sommet, et on va descendre. Comme ça, ça nous fera avoir un peu une perspective différente au niveau du... pas du déroulé du truc quoi, mais compris. Des fois ça peut aider. Par contre c'est ouf qu'il nous ait mis des royaumes dans lesquels on peut pas aller. Comme Midgar. Midgar, je sais même plus. Le Valhalla, tout ça, bref. C'est ouf. Donc là, on est au sommet. Donc ici, il nous manque. Ah merde, c'est la région montagne, c'est pas les contreforts. Donc un artefact, une inscription, deux corbeaux. Putain, il me reste un paquet de trucs à trouver ici, les mecs. Plein de choses qu'on n'a pas eu. Hop. On va s'équiper de ça déjà. Donc la montagne, c'est un... c'est aussi une région qui est très bien. Attendez, je me gratouille un peu.
pas vraiment le sommet. Mais bon. Le problème, c'est s'ils nous foutent des corbeaux volants par là, ça va être chiant. On regarde bien. Tous ces coffres évidents, ça, on n'a pas pu les rater, c'est sûr. En revanche, ici... On a pu rater plein de choses. Hein. J'aurais préféré ne pas assister à ça. Merci beaucoup. Ok, c'est quoi ici? Je peux descendre par là? D'accord, je sais même pas. Ah, c'est de là d'où je viens. Ok. Bon, bon, bon. Même pas un petit corbeau au sommet de la montagne. Bon. Allez, on va redescendre par là. On peut plus monter par ce côté. À gauche, il me semble qu'on avait déjà fouillé, si je dis pas de bêtises. Ouais. Là, il n'y a pas de corbeau. Vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de coffre. Là-bas, je vois un truc bleu. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des brèches qu'on n'a pas eues? Il y a deux choses inexplorées, donc sûrement. Sûrement une brèche, ouais, les mecs, à mon avis. Il y a une brèche qu'on n'a pas eue. Vous voyez le fait de revenir en arrière? Ça, c'était pas visible. Il y a un coffre en plus à côté. Très bien, très bien, très bien. Petit conseil, quand vous cherchez des choses qui sont pas forcément évidentes, refaites le trajet, mais d'un autre point de vue. Comme refaire à l'envers. Ils aiment bien les... Comment on appelle ça? Les développeurs nous faire des petits coups comme ça, les mecs. Se disent, tiens, il va pas se retourner. Il y a un beau paysage. Il va continuer tout droit. Et ils ont raison, hein. Et vous, vous retournez pas, vous êtes pris dans l'histoire, vous vous dites waouh, c'est beau. Et là, bim, grosse cachette. Pas cool, hein? Bon, à mon avis, c'est pas ici qu'on peut descendre. Hein. On a dû zapper quelque chose. Alors pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir manqué des choses. Je n'espère pas. Ah, on est où ici? Ah oui, je m'en souviens. Putain, mais il y a des endroits noirs, quoi, je vois rien. Si on avait pris... Ouais, ça, c'était censé aller là-haut. Là où on avait vu. Qu'est-ce que c'est en bas? Est-ce que j'avais fait tirer dessus? Tiens donc, c'est étonnant ça. Attends, attendez, attendez. J'ai pas l'impression que j'ai fait tirer là-dessus. Pourquoi je peux pas? Voilà. Non, là.
Là-dessus, Atrus, s'il te plaît. Non! Concentre-toi, putain. Voilà. Ouais, non, ça fait rien. Ok, on avait déjà fait. Je sens qu'il y a une cachette ici qu'on n'a pas vue, les gars. Déjà ça là. Ça c'est ultra ultra chelou d'avoir des trucs comme ça, les gars. Regardez en bas, il y a des choses, j'ai pas été quand même. C'est bizarre. C'est bizarre. Déjà ça. Non, je peux pas le faire tomber, ok. Ici y a quoi? Ici y a rien. Ici on a eu le triptyque, très bien. Il n'y a pas de corbeau ou de conneries. Non. Ok. Ensuite ici. On a pété un truc ici, il devait y avoir quelque chose. C'est obligé. Ici dans le noir, ils ont rien caché. Non. Ah oui, donc on revient bien en bas ici. Ok, très bien. Ok. Donc là on revient en bas. Du bordel. Comme tu dis, là il devait y avoir quelque chose qu'on a déjà pris. Ouais. Ça on l'a déjà utilisé. D'accord, alors, attendez, on va voir. Peu, vas-y. On va tirer un peu sur chaque étage, les mecs. Des fois que ça nous libère quelque chose. Parce qu'on sait comment ils sont ici. Vise bien, Atrus, putain. T'as rien à foutre. Ok. Ok. Tu max. Bon, écoutez, je pense pas qu'il y ait quelque chose de plus. Ensuite, ici, j'ai vu quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Non mais en haut j'ai déjà été très réussi à rien. Attendez, attendez. Là on peut sauter ici. Oh putain, il y avait un coup. Ah les enfoirés. Est-ce que de l'argent, ça nous avance pas ça? Oh là, il y a un coffre. Attendez. On n'a pas eu ça?
What? Chelou, les gars. Eh, des fois, il y a des trucs tellement bizarres. Parce que là, franchement, grosse nullité du mec, hein, les gars. Regardez-moi ça. Il est juste là, le coffre. Père, regarde là-haut. Oh my god, je suis nul. J'ai raté ça. Truc de dingue, les mecs. Oh la vache. Donc ça, ça nous a donné quoi? Un artefact, sûrement. Ou un coffre légendaire, je sais pas, bref. Ça nous a donné quelque chose, ok. C'est ouf. Oh, je suis passé à côté, quoi. Incroyable. C'est dingue, hein. Quand vous prêtez attention aux choses... On peut pas tout voir, les mecs, hein, vraiment. Hein. Je sais que je vous le dis... Et que je vous le répète, mais c'est tellement vrai. Ah oui. C'est l'endroit du gros dragon. Dis, il paraît que toi et Brock êtes plutôt célèbres. Eh bien, c'est à moitié vrai. Qu'est-ce que tu sais? Que vous avez fait le marteau de Thor. Oh. Oui, effectivement. Mjolnir nous a rendus célèbres. Nous étions légendaires, connus des dieux et des rois. Nous faisions une équipe du tonnerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, eh bien, c'est une longue histoire. Les événements, le fait qu'il était devenu difficile de retrouver l'étincelle, vois-tu. L'inspiration est une maîtresse capricieuse. Hein? Oh, assez bavardé. Regarde un peu tout ce désordre, il faut que je fasse du rangement. On peut pas aller plus loin sur la montagne. Et là, il y a une Valkyrie en plus. Ah là 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 là, les gars, ça va être compliqué. Donc il y a une Valkyrie aussi. On n'a pas trouvé. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le sommet. Et la chambre mystique. Putain, les gars, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. J'ai pas assez d'argent? Quoi, j'ai plus d'argent? Oh la vache, j'ai plus d'argent, les mecs. Truc de ouf. J'ai plus assez d'argent. Pierre de l'oubli. Faut vraiment qu'on se fasse du pognon, les mecs. Hein. Bien, continuez à fureter. Nous trouverons quelque chose à fabriquer après. Ouais, ouais, ok. Bon, écoutez, on va revenir. Putain, il faut tous retaper. Ça, par contre, c'est abusé, les gars. Ouais, c'est de l'autre côté. Donc là, on a tout pris de ce côté, les gars, j'ai l'impression. Il va falloir passer par les contreforts. Ouais, ouais, ouais. Il faut passer par les contreforts. Et là, on pourra prendre ce qu'on n'a pas eu, je pense. À moins qu'il y ait un petit corbeau qui nous échappait ici. Je ne pense pas. Par contre, ce qui nous a échappé ici, c'est bien la brèche, l'espèce de truc qu'on n'a pas eu. Ça, c'est sûr qu'on l'a pas eu, les gars. Comment s'y rendre alors ça? Atreus, avec moi. J'arrive. Essaye en bas. Faut pas descendre plus. Non, ok. On va juste mettre en haut un petit coup pour voir les mecs. Voilà. Vas-y, go. Normalement, il y avait juste un coffre.
Ouais. Coffre, je crois qu'il y avait un mec dedans qui m'a sauté dessus, si je dis pas de grosses bêtises. Si ma mémoire est bonne, et je sais qu'elle l'est. Pas péter ce pont. Je deviens parano, les mecs. Parano. Et est-ce qu'on pourrait pas. Putain, parce que je vois pas du tout comment choper l'autre truc, quand même. Aïe, 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 c'est compliqué. Droite, gauche, ça va nulle part. Droite, ça va nulle part. C'est comme ça qu'on cherche les mecs, je sais que c'est chiant mais bon. Non, il va pas à droite. Ici y'a rien. Y'a rien, y'a même pas un petit passage secret par là. Rien du tout. Nada. C'est que c'est pas possible de passer par là les gars. Là, y'a pas de rond. Y'a rien. Ah, ici un rond. Oh les bâtards. Putain, mais c'est caché d'enculé quoi. Oh les bâtes. Putain, mais comment vous les trouvez ça? Par une chance de cocu fini. Ça me fait peur d'ailleurs. Attendez, parce que je me relâche, ça se trouve il y a un corbeau dans le coin. Putain, c'était bien caché hein. Je suis vraiment passé là par acquis de conscience, les mecs. Je me suis dit, oh, allez. Oh la vache. Mais j'ai eu le coffre, pourquoi? J'étais déjà venu là. Mais what? J'étais déjà venu là. Truc de ouf. Je m'en souviens pas. Oh, la première fois, je suis peut-être passé par là. Ok. Bon, bah écoutez, on va tester. Déjà, je sais pas ce que c'est, mais c'est niveau 6. Putain, mais on voit rien. Pète-moi tout ça. Ah. J'essaie de choper cette merde de truc là. Encore une qui me tire dessus là, putain. Merde, j'ai trompé de touche. Sacré gaillard. Et elle est morte. Ok, très bien. J'ai très mal joué. Poussière de royaume, très bien. 8 sur 18. Donc c'était bien ça. C'est où brèche de royaume? Ouais, en bas. Donc inexploré, ça doit être la Valkyrie. Très bien. Alors est-ce qu'il y aurait un vilain corbeau? On était déjà venu là? Oui, parce que derrière j'entends Sindri taper. Exact. C'est là qu'on est venu la première fois. Sindri, t'as toujours été aussi... propre? Si seulement. Mais non, j'étais aussi... à ceux que l'un une sorcière me remet sur le droit chemin. Grâce à sa magie, elle a découvert qu'il y avait des centaines de milliers de petites bêtes qui vivent autour de nous. Bah, si minuscules qu'on ne les voit pas. C'est vrai. Non. Bah, je t'assure. Et si Atreus. De suite prêt.
côté. Il n'y a pas un corbeau là-dedans. Ouais. Attention, je vous allais. Donc ici, on a dû rater des choses, les mecs. Ah. Déjà, on n'a pas vu l'accès à la Valkyrie. Ou alors, on l'a vu à l'époque et on n'avait pas le... l'espèce de crochet, là, de petit pic à aiguiser. Et du coup, on pouvait pas. Ça, on casse, hein, parce qu'on sait qu'il y a des vieux passages secrets maintenant. On est au courant de leur... de leur technique. Dans le pire des cas, ça nous fait un peu d'argent. Il n'y a rien en haut. Donc ici. Attendez, je me gratouille l'oreille. On avait tué l'élémentaire de feu. Ou de glace, ou de je sais plus quoi. Là, il y avait un coffre. Ah oui. Il y avait un coffre aussi là-bas. On savait pas comment l'atteindre. Si je dis pas de conneries. Non, c'était pas là, c'était là-bas. Ici. Ah bah si, on l'a eu. On l'a eu. Donc on a su comment l'avoir. Très bien. Ça, ça nous a servi pour l'autre. Tais-toi, putain. Tu vas me faire rater des choses à me presser. Je suis sûr que j'en ai raté à cause de toi déjà. Petit con. Petit con. Ok, ça c'est bon, on a eu. Donc ici, il n'y a plus rien. Très bien. On avait bien vu à l'intérieur, il n'y avait rien. Il devait y avoir un truc. On l'a vu. Très bien. Putain, je crois que c'était un corbeau, le truc bleu là. Je deviens fou, les mecs. Ensuite, continuons d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié par là? Atris, si tu te pousses pas, je te marche dessus, je m'en bats. Je te le dis direct. Est-ce qu'il y a un truc par là? Je pense pas, on pourrait pas monter, hein. Ce serait quand même compliqué. Compliqué qu'il y ait un truc ici, les gars. Franchement, ça doit être un endroit où on a déjà été un peu en avance. Aussi, il va y avoir du fight. Permettre de monter ma barre de rage, ça ira très bien. Non, même pas. Ça, ça nous a fait quoi, ça? Ça a permis de faire quoi, ça? Le problème, c'est que je me souviens plus. Ça a dû permettre un truc, mais quoi? Je me souviens plus, mec.
Oh putain, on peut porter ça. Oh. Enculé, je savais même pas. Mais what? Attendez. Ça servirait là? Ça servira à quoi? Ça servira à rien? Putain, je sais même pas que vous pouvez porter ça, les gars. Ah, ok, j'ai compris. Il y en avait un là-bas qu'on n'avait pas réussi à voir, on n'était pas assez rapide. Il me semble. Eh ouais. C'était là-bas qu'on était monté. Il y avait un truc. Quand on montait à cette chaîne là qui prenait 2 heures. Ah, je peux pas la poser? Putain. Si je peux. C'est ça les gars. Putain de mouche. Merde, je me trompe de touche tout le temps. Hein. C'est ça les gars. Par contre quand elle est comme ça, je peux plus la porter. Si je monte là, est-ce que d'en haut je peux le faire? J'espère. Si je peux le faire, c'est ça les gars. Oh oui, je peux. Oui. Rendez compte qu'on pouvait porter cette merde. Et que je savais même pas. Voilà. Sixième de gameplay qui nous manquait. Putain mais en plus je découvre ça par chance quoi, c'est un truc de ouf. Redoutable explosion. Incroyable. Coffre légendaire, ça y en a eu les trois. Il manque une inscription, un artefact et un coffre. Attends, un coffre d'énorme qu'on n'a pas vu. Oh, putain les mecs. Il y a toute une zone qu'on n'a pas dû voir. Une zone entière, je vois que ça. Je ne vois que ça. Toute une zone qu'on n'a pas vue. Mais où? C'est la bonne grosse question ça les gars. En face il y a des arbres. Il n'y a pas de truc de pont invisible non? On va descendre, on va continuer. J'espère que j'ai rien raté. Ici, nous aurait pas foutu un truc quand même. J'ai pas envie de me taper la descente 15 fois. Non, on peut pas frapper, donc ils auraient pas mis un truc. Obligé d'attendre. J'ai mal aux yeux. Fermez vos yeux, je vous préviens quand c'est fini. Ah, ouais, ça prend forme doucement, hein. Ça prend forme tout doucement. Les Valkyries seront les plus chiantes, ça j'en reste persuadé. Les Valkyries, les corbeaux, mais le reste, ça a l'air de se découpiller gentiment, les mecs. Ouais. Écoutez, moi j'ai ma journée. Je veux ce platine. Putain, mais c'est long, de ouf! Vache! Quoi?
Ok, c'est sur moi. Ah ben oui, ici, il y avait un endroit, je crois, à gauche, là-bas. Pour la harpie. Pour la Valkyrie. Mais oui, c'est ici. J'étais pas là. Bon, écoutez, ici, à mon avis, il y a des choses à faire. Des bonnes grosses choses à faire. Ça, j'en suis persuadé. Alors, qu'est-ce que c'est? La revanche de tir. J'avais déjà pas eu celle-là? Ok, ensuite. Le courroux du Tartare. La frappe d'Hyperion, c'est quoi cette connerie? Ah oui, d'accord. Alors, marqué, c'est de l'XP, et l'XP, on en a tellement. On peut l'utiliser. Hein. À tous les coups, en plus, ça débloquera un trophée. On a tout, on a tout. Ça, on n'a pas. Ok. On peut l'utiliser même s'il en faudra pour les dernières compétences avec la dague. Ok. Vous voyez, avec la dague, avec les dagues, il y a le rang 5 qu'on n'a pas eu. Donc ça, il nous le faudra. Ok les mecs, écoutez, on va sauvegarder puis on va se laisser là. Voilà, puisque c'est l'heure. À 6 minutes près, on va pas prendre de gros risques. Et puis on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour explorer cette petite chose. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, ciao.